Un jour à la classe, bonjour mon maître. J'ai aussi deux petits mots à dire à ce petit rouquin qui ne se respecte pas. Quelqu'un qui se dit qu'il est chanteur international, mais qui n'a même pas de respect pour sa personne, ni sa parole. Qui ne sait pas que quand il y a un problème entre deux pays là, c'est lui qui est porte-voix du monde entier. Il devait sortir pour parler dans l'histoire des 49 de nos soldats. Il n'a même pas daigné parler de ça. Au contraire, même, il a mis de l'huile sur le feu afin qu'on liquide nos soldats, on capture nos autorités là-bas. Mais nous, on a compris, Salif Keïta, monsieur, on a compris. Nous, là, nous les Ivoiriens, nous sommes la terre d'hospitalité. On a accueilli tout le monde sur nos terres ici. On leur a donné le couvert, le gîte, la nourriture, tout on a fait. Et en contrepartie, c'est la haine que vous nous servez. Donc on a pris bonne note. De la façon dont vous ne nous aimez pas, là, c'est comme ça nous aussi, là, on ne peut pas vous aimer. Voilà. On ne va pas vous aimer aussi. De la façon dont vous insultez nos présidents, c'est comme ça nous aussi, là, on va insulter votre président là aussi. Enfin, si c'en est un. Vous pensez que quoi? Toi, Salif Keïta, on t'a déroulé le tapis rouge en Côte d'Ivoire ici. Le président, là, notre papa chéri, là, a déroulé le tapis rouge pour te faire honneur, toi, Salif Keïta. Il t'a pris à bras le corps comme son enfant, comme son frère. Et en retour, tu n'as même pas pensé un seul instant de cette complicité entre toi et puis le président. Tu allais t'encoquiner avec ton djihadiste, l'hyper-djihadiste du Mali. Tu allais t'encoquiner avec lui contre notre père. Tu as même fait des coups bas là-bas pour dire non, qu'à éliminer nos 49 soldats, éliminer, capturer nos autorités qui iront négocier. Et tu penses que nous, on va gommer ça? On ne va jamais te pardonner cela. On ne va pas pardonner même à ta nation pour cette honte que vous avez mise sur nous. Nous-mêmes, on sait, depuis fort longtemps, on a su que vous, là, vous les Maliens, vous n'avez jamais aimé les Ivoiriens. Mais on faisait profil bas. On se disait que vous allez vous souvenir des liens de fraternité qui existaient entre nos parents avant. Malheureusement, on se rend compte de jour en jour que cette haine que vous avez contre nous s'est amplifiée encore. Mais c'est dommage pour vous, hein? C'est dommage pour vous. Votre haine, là, ça va rester dans votre empire là-bas. Ça ne peut pas venir. C'est parce que la Côte d'Ivoire qu'elle a là, c'est un pays qui est béni. Dieu qui est là à la main sur la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on donne. On a toujours donné aux gens. Et on a donné aux gens avec bon cœur. On n'a pas donné aux gens avec la haine. On a donné aux gens avec amour. Mais toi, Salif Keïta, toi, oh, ton conseil, oh, restez chez vous là-bas. Voilà, ça vaut mieux pour vous, hein. Restez là-bas. Parce que si tu viens là, ce qui va arriver là, nous, on n'est pas responsable de ça. Vraiment, cette fois-ci, la bois. Notre papa chéri, le Prado, on va te désobéir un peu, hein. Par rapport à ce Salif Keïta là. Wallah et Bilal, on va te désobéir un peu. Donc, voilà un peu éclairé ce que je voulais dire à ce momie qui se dit chanteur. C'est sa réponse. Merci à toute la classe. Bonne soirée, bonne écoute. Salut Keïta, comme tu ne comprends pas français, la momie là, c'est le cadavre des Égyptiens qu'on attache dans les pagnes là. Je vais pas t'expliquer comment on fait, sinon on fait ça avec curry et puis un autre truc, on va pas dire le mélange pour que les xénophobes puissent aller momifier leurs parents. C'est ça qui est momie.